Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit haul façon, je vais vous montrer toutes les robes que vous pouvez porter pour la Eid. Je me suis dit ça pourrait être sympa de vous partager des outfits, ça fait longtemps que j'ai pas fait un haul ici sur YouTube. Mais vous inquiétez pas, l'été approche, il y a plein de petites pépites que j'ai envie de vous partager. Mais aujourd'hui du coup ça sera à l'occasion de la Eid, j'ai trop hâte de vous montrer les robes. Les vrais ont déjà vu les tenues portées sur Instagram et sur Snapchat. Mais je me suis dit pourquoi pas vous le montrer aussi en format YouTube, ça peut être sympa. De base je voulais faire un get ready with me, mais en fait j'aurai pas du tout le temps de le faire. Pourquoi? Parce que je suis en train d'enchaîner des nocturnes, les gars. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis une henaya, donc je fais des prestations de henné sur Bordeaux. Donc je vous mettrai d'ailleurs mon petit compte juste là si jamais ça peut vous intéresser. Donc étant donné que j'enchaîne les nocturnes en ce moment, je ne pourrai pas vous faire la get ready with me, mais c'est pas grave. Je me suis dit que je vais quand même vous partager quelques tenues. On commence avec cette belle robe qui me vient de chez Brentini Paris. Petit détail comme ça, je trouve ça super 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 joli. Ça rajoute grave un charme à la tenue. Ce qui fait tout je trouve, parce que s'il n'y avait pas ça, ça aurait été trop simple. Donc elle est composée de trois pièces. Donc la robe à l'intérieur, le kimono, la petite ceinture et le foulard. Par contre ce que je trouve vraiment dommage, on peut pas intégrer la ceinture dans le kimono. Il n'y a pas le petit truc, vous voyez. Donc ce qui fait que bah, je dois mettre la ceinture par dessus. Ça je trouve ça un peu chiant. Mais franchement mis à part ça la tenue elle est très belle. Donc ouais, franchement j'aime beaucoup. Non, franchement au niveau de la qualité, elle est bien. Par contre, repassez là parce que du coup moi j'ai eu un petit peu la flemme de le faire. Je me suis dit je vais juste faire la vidéo et tout. Vraiment trop belle. Ensuite, la deuxième robe, elle me vient de chez Style by Safi. Donc elle se présente comme ça. J'aime vraiment trop le modèle. Elle est très simple avec les petits motifs devant comme ça. Je trouve ça trop joli. Les robes comme ça, en général, il y a des ceintures à l'intérieur. Donc j'ai centré et ça donne ça. Quand j'ouvre mes bras, ça donne ça. Ça donne ça et j'aime beaucoup la couleur. Franchement, c'est vraiment trop beau. Donc vous portez ça avec des talons et tout. Magnifique. Ensuite, la troisième robe, cette robe me vient de chez Brentini Paris. C'est la robe du moment, vous avez sûrement dû la voir passer. Elle est vraiment trop belle. Ce que j'aime par-dessus tout avec cette robe, c'est vraiment la matière. Elle est très légère, mais en même temps, ça fait très habillé. Les manches aussi, les manches un peu comme ça, un peu chauve-souris comme ça, là, j'aime trop. C'est trop beau. Couleur, c'est un peu bleu, mais bleu un peu métallique. Eh, j'aime trop. Donc pareil, il y a une petite ceinture par derrière comme ça. N'hésitez pas à noter les robes en commentaire. Parce que pour moi, celle-là, là, c'est un petit set quand même. C'est un petit set. Très, très, très beau. Vraiment très joli. J'aime beaucoup. On va se mettre dans le mood, tu vois, avec le petit sac qui va avec. Yeah ! C'est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est ce que ça donne. La quatrième robe, les gars, franchement, pareil. C'est à peu près comme la bleue. Celle-là, elle me vient de chez Style by Safi. Franchement, le tissu, elle est vraiment de bonne qualité. La couleur, elle est plutôt dans le saumon, dans les tons saumon. J'aime beaucoup, elle est très longue. Pareil, quand je lève les bras, ça donne ça. Ça fait très fête. Ça fait habillé pour la Eid, mais ça fait habillé aussi pour les événements tranquillement. Ou même dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est super, super, super beau. Ah, si par exemple, t'es plutôt très simple comme fille et que tu sais pas trop quoi mettre, ça peut être une très belle tenue. Donc pareil, il y a la ceinture intégrée à l'intérieur. Et voilà les gars. Rien à dire, hein. Elle est très longue. Je fais 1m63 les gars. Elle est assez longue, mais avec des talons, franchement. Ça fait vraiment l'affaire. C'est vraiment trop beau. Ensuite, vous avez cette magnifique robe qui me vient pareil de chez Style by Safi. C'est la première robe que je vous avais présentée sur Insta, qui a fait fureur. Eh, victime de son succès. Vous avez tous commandé chez elle après avoir vu cette robe. Tellement elle est vraiment trop belle. Je vous montre les petits détails. Regardez-moi le devant. Il est magnifique. Donc il y a le foulard aussi avec. Mais là, pour le coup, j'ai un peu la flemme, moi je voulais juste vous montrer les tenues. Donc voilà les gars, c'est ce que ça donne. Par contre elle est très longue. Moi je suis très petite les gars. Je sais que des fois quand vous voyez mes photos, vous voyez dans les vidéos, vous dites bon ça va, elle est un peu grande. Mais non, je suis très petite.
Ça veut dire, même si je mets des talons, ben tu vois, ça traîne un peu encore. Mis à part ça, franchement, j'aime beaucoup cette robe. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Eh, mais combien de fois j'ai dit trop belle dans cette vidéo? Je sais pas, mais en tout cas, elle est trop belle. Ensuite, les gars, vous avez cette robe. Les gars, les vrais savent que cette robe, c'est la robe du Maroc. Voilà, c'est la robe, la petite robe que j'ai mis au Maroc. Magnifique, j'aime trop la couleur. Je trouve que c'est vraiment la couleur qui fait tout, 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 tout dans cette tenue. Ce qui est aussi bien, c'est qu'en fait, vous avez le foulard intégré à la robe. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est intégré, donc ça c'est trop pratique. Par exemple, si vous sortez, vous pouvez prier avec, parce que du coup vous avez le voile intégré. Donc ça, c'est vraiment trop 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 pratique. Mis à part le fait que c'est pratique, je le trouve magnifiquement magnifique en fait, tout simplement, parce que c'est la tête avec les mots, c'est trop beau. Par contre, juste le truc, je trouve que ça se plie archi vite, et du coup tu dois tout le temps le repasser. C'est juste ça en fait qui est un peu saoulant, mais mis à part ça, franchement les gars, c'est une belle robe, elle est très légère, tu te sens pas, voilà. Par contre, la fille qui vend ça, elle n'a pas de site, elle fait ça sur TikTok il me semble, elle a un WhatsApp aussi, donc je vous le mettrai en barre d'infos, mais voilà, elle a pas de site, donc faut pas s'étonner. Je vous mettrai directement son TikTok pour que vous puissiez voir toutes les modèles du coup qu'elle vend sur son compte. Voilà les filles, on passe au suivant. Il me reste 2 tenues. Ensuite les gars, cette tenue, oh my god, elle est trop belle. Regardez-moi les détails qu'elle a jusqu'en bas. Franchement, elle est magnifique. J'aime trop. Et cette robe, c'est trop. Celle-là, elle me vient de chez Brentini Paris. Le détail, franchement, je suis fan. Je suis fan. La qualité est au rendez-vous. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Pas les mots, là, regardez comment c'est long. Eh, à 4, on peut rentrer dans cette robe tellement elle est longue. Elle est... C'est dingue. J'aime trop. Franchement, pour cette robe, je peux mettre 9 sur 10. Je peux mettre facilement 9 sur 10. Elle est trop belle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Le meilleur pour la fin. Oh my god. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir à côté de moi avec cette tenue-là? Non, c'est trop. C'est trop. Cette robe me vient de chez Sadani. Elle est magnifique, les gars. Je vous jure, j'aime trop. Que ce soit la couleur, s'il vous plaît. La couleur. Le fait que ce soit bien centré comme ça, c'est magnifique. Ce détail-là, c'est ça qui fait tout. C'est dingue, c'est magnifique. Vous avez aussi le foulard. Eh, c'est magnifique. Je vous jure, ça, c'est la meilleure robe. Le meilleur pour la fin, comme je vous ai dit. Ça, c'est pas 10 sur 10. C'est pas 100 sur 100. C'est pas 1000 sur 100. Mais c'est infini sur infini, là. Là, c'est infini sur infini, là. Cette robe, elle est magnifique. Il n'y a rien qui rivalise là. Je suis désolée. Ça, c'est parce que c'est mes goûts. Hein. Ça se trouve, vous avez trouvé vos pépites avant. Mais en tout cas, ça, c'est trop. J'aime trop. Voilà ce que ça donne, les gars. J'aime vraiment trop. En tout cas, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour, que ce soit sur leur site, leur Instagram, leur TikTok, peu importe. Faites un tour parce que je sais qu'il y en aura toujours au moins une. Il n'y aura toujours pas sa tenue là. Donc, n'hésitez pas à profiter. Par exemple, Brentini Paris, je sais qu'eux, ils font la livraison rapide en France métropolitaine. Donc, voilà les gars. J'espère que vous avez passé un super, super bon Ramadan. Que vous avez pu accomplir ce que vous êtes censé accomplir. Que vous avez pu vous ressourcer. Que vous avez pu vous rapprocher de Dieu. C'est le plus important. En tout cas, on se retrouve très bientôt. J'espère que tu as trouvé ta pépite. Je vous fais de gros bisous. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un weekly vlog. J'ai trop hâte de ce qui vous présenter après, parce que franchement il y a plein de choses qui vont arriver les gars, j'en dis pas plus, on se fait de gros bisous et on se dit à bientôt.